Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur Carmageddon pour un 25e épisode. On retrouve l'environnement qu'on avait vu sur la deuxième map, sur le deuxième épisode du Let's Play. Ichiker Harvest, désolé pour mon accent pourave. Donc vérifions si on n'a pas des nouvelles pièces, hein. Maintenant je fais ça à chaque fois, je vérifie s'il n'y a pas des nouvelles pièces, que dès qu'on arrivera au niveau 5, au niveau des pièces, c'est qu'on sera vraiment vraiment pas loin. Donc vous voyez on est au niveau 36. Donc il reste vraiment pas beaucoup de courses. Je pense qu'il en reste 3 par tranche de dizaines. Donc là, il en reste 9 voire 10. Donc voici la petite présentation des concurrents. Donc Val est là. Wanda Lust, Firestorm, Otis Prevagex, je sais pas comment on prononce ça. Et encore Hammerhead. C'est parti. Je trouve ce que ça fait de réussir les défis parce que j'avais vu que la dernière fois Hammerhead m'avait lancé un défi. Je sais pas du tout ce que ça fait. Si ce n'est que je l'ai réussi. Hein. Donc voilà le tracé. Ok, Hammerhead est déjà mort. Elle aussi. Ça va assez vite. Je crois qu'on obtient Otis, pardon, excusez-moi. Je crois qu'on obtient le véhicule d'Otis maintenant. Enfin, c'est dans ces eaux-là, de mémoire, qu'on réussit à obtenir un véhicule du tiers 2. Vous avez vu que la dernière fois, on avait obtenu rien du tout, parce que la dernière fois, c'était la course précédente. On a quand même eu le 4K il n'y a pas longtemps. Après la fin du jeu on a tous les véhicules donc puis là c'est pas vraiment si on n'a pas tout débloqué à la fin du jeu. Voilà les vaches là. Allez là, je vais me remettre sur les roues. Ah j'y étais presque. Ah, nickel. Le CP2. C'est moi, à chaque fois que je le cogne, il reste des galères. Que la dernière fois on l'avait même pas fini avec 59. Ça c'est en fonction des piétons. Moins il y en a, plus c'est dur d'avoir du temps. Puis après il y a juste à défoncer les concurrents et on a fini le jeu. Enfin on a fini la course donc c'est pas vraiment l'idéal, parce que l'idéal étant d'avoir le maximum de points.
points de crédit pour avoir des points à la fin du circuit pour passer au circuit suivant, sinon on reste toujours au même stade. Depuis qu'on a commencé les Let's Play, j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois les courses qu'on avait déjà faites. Mis à part le 9ème épisode ou 8ème, je crois, où on avait recommencé dans la neige, sinon les autres, je les ai zappés. Je sais pas enregistrer, mais j'en ai dû en faire 3 ou 4. Il avait du mal à s'en sortir, là, son... Seulement j'en fais des figures. Ok, alors ça c'est un bug que j'ai jamais eu. Checkpoint!
possible. Il débloque à peine rebloque. J'allais faire un tour où il n'y a pas de... pas de tracé. Soldat fait là. Je pense que c'est un soldat. Je sais pas trop ce que ça représente. Yeah.
1500 crédits à chaque fois que je crasse deux vaches. C'est un bon revenu, la vache. Bon, ça c'est bien que je clore cette course. Pas passé sur ces temps non plus. C'est qu'il y a de l'autre côté le mec. Je suis sûr que si je détruis, je récupère sa voiture cette fois. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Et merde. Pas le contrôle. Il y a un autre tracé de son. Donc on va la refaire cette course avec un tracé où on fait tout le tour de la map. La mémoire. C'est ça, en tout cas. Bon. Qu'est-ce que vous direz si je vous disais qu'on va clôturer cette map? Monsieur numéro 9. Merci quand même d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine, c'était Diablo. Salut!